De randonnée et une activité autour de la pêche à la mouche sont aussi dans les cartons de la CAB. La ville de Guéret aura dans un an environ sa médiathèque. Les travaux de terrassement ont débuté ces derniers jours. Ce sera un espace de 3000 mètres carrés avec 60 000 documents. Une réalisation de la communauté de communes de Guéret-Saint-Vaury, coût du projet 10 millions d'euros. Le reportage de Jean-René Laverne et Carl Costable. L'espace n'est pour l'instant qu'un chantier, mais dans les prochains mois sortira de terre un bâtiment de 3000 mètres carrés. La médiathèque de Guéret est le premier projet d'envergure de la communauté de communes du pays de Guéret-Saint-Vaury. 10 millions d'euros d'investissement pour doter la préfecture de la Creuse d'un lieu unique dans le département. Ça va effectivement bouleverser la vie des habitants de la communauté de communes, mais plus largement du département et de la région, parce que bien évidemment cet outil sera en réseau avec d'autres structures sur la région Limousin et notamment la bibliothèque francophone multimédia de Limoges. L'emplacement de la médiathèque n'a pas été choisi au hasard. Il se situe à proximité de l'espace Fayol. En somme, tout le quartier va se trouver transformé et devenir un véritable pôle culturel. Sur les différents niveaux de la médiathèque seront concentrés des milliers de livres et de DVD, mais pas seulement. Cette bibliothèque multimédia aura une capacité de 60 000 documents. Pourquoi ? Parce que c'est un outil à l'échelle de l'intercommunalité, 30 000 habitants. Donc tout support, livres, papier, numérique. Donc il y aura également un pôle patrimonial très important, car c'est important d'avoir un lieu où la mémoire collective de ce territoire puisse se retrouver. Mais avant de feuilleter des livres, écouter de la musique à tous les étages et en toute quiétude, il faudra s'armer de patience. L'ouverture n'est pas prévue avant un an. En rugby, l'USA Limoges joue demain soir contre le second de la Pro D2, Mont-de-Marsan.